Hello et bienvenue, vous écoutez les podcasts de Only Dog, dédiés au monde canin. Je suis Amy et dans ces podcasts, je vous partage toutes mes découvertes, mes conseils et mes coups de cœur, dans le but de ne pas adopter un chien sur un coup de tête, mais après mûre réflexion. Cette semaine, nous allons parler du bouvier des Flandres, du bouvier bernois et du bouvier d'Appenzell. Le bouvier des Flandres, ce colosse à l'allure un peu rébarbative, est le chien efficace par excellence. Chien de garde, pisteur, il a été collaborateur de la police et de l'armée, notamment lors de la Première Guerre mondiale, qui a d'ailleurs failli causer sa disparition. C'est aussi un chien de garde de bovin et un chien de trait. Son flair, son intelligence et sa force le font apprécier par tous les styles de propriétaires. Malgré ses sourcils épais et son poil ébouriffé, il est doux, calme, loyal. Dénommé chien sale à cause de son allure un peu bohème et hirsute, il est cependant l'un des meilleurs compagnons que l'on puisse trouver pour un environnement familial. Mais il ne faut pas s'aviser de toucher à ce qui lui est cher, car il s'avérerait alors être un redoutable chien de défense. Le pelage du bouvier des Flandres est dur au toucher, en fil de fer un peu ébouriffé. Un sous-poil fin et serré le protège bien du froid et des intempéries. Le bouvier bernois. Le bouvier bernois de nationalité suisse est surnommé l'ourson. Cette race descend des molosses d'Asie que les légions romaines utilisaient comme chiens de combat. Méfiant envers les étrangers, attaché à son maître, beau, énergique et intelligent, il est l'un des meilleurs bergers qui soit. Son excellente mémoire en fait un très bon chien sauveteur. La robe du bouvier bernois est tricolore, avec un fond noir, des marques feu et des plages blanches. Elle est formée d'un long poil fin, abondant et doux, légèrement ondulé mais non frisé. Le poil du bouvier bernois est blanc sur la poitrine, le nez, les pieds et le bout de la queue. Le bouvier d'Appenzell. Le bouvier d'Appenzell, ou bouvier des Alpes, est de nationalité suisse. Il a longtemps accompagné les paysans suisses dont il tirait les charrettes pour amener leurs produits au marché. C'est un excellent chien de troupeau, mais aussi un chien polyvalent hors pair. Pisteur, gardien, sauveteur. Relativement peu important en taille comparé à d'autres bergers suisses, il est cependant très énergique, infatigable et très mal adapté à la vie sédentaire. Le bouvier d'Appenzell peut faire un excellent berger ainsi qu'un impressionnant chien de garde. La queue du bouvier d'Appenzell est portée en spirale sur le côté, contrairement à celle des autres bouviers suisses. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et retrouvez-nous également sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de profiter de chaque instant avec vos loulous.